Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je commence ce vlog déjà maquillée, oui ça arrive. Il est 9h01 exactement quand je vous prends ce matin, puisqu'en fait j'avais le passage du permis ce matin. Voilà, je vous l'ai pas dit avant parce que je voulais pas que ça me porte malheur. Je crois que ça s'est plutôt bien passé, on verra, j'aurai pas les résultats avant vendredi, donc samedi pour vous. De toute façon je vous tiendrai au courant que je l'ai ou non, hein, c'est pas grave, s'il faut je le repasserai. En revenant, on est passé à la boulangerie, j'ai acheté un petit panettone pour Samuel qui adore ça. Moi j'aime pas ça mais lui il adore ça. Et on s'est pris du pain et des petites viennoiseries pour le goûter, j'allais dire non, pour le petit déj. Et là on essaye de faire marcher ce truc, ça ne marche absolument pas, c'est d'un thermomètre auriculaire. Mais comme Sam il se sentait pas bien ce matin, je suis passée à la pharmacie lui chercher des trucs pour l'état grippal en prévention. On a repris aussi des vitamines C, donc nous on prend de l'acérola à croquer parce que c'est pas mal pour, voilà, pour les périodes hivernales. Et puis bah voilà, on va petit déjeuner, ce matin il faut que je monte le vlog d'hier qui sera déjà en ligne pour vous. Je vous le mettrai juste ici. Et puis j'ai du montage à finir, des miniatures à faire, bref, le train-train quotidien. Donc bah je vous retrouve tout à l'heure. Avec ça mon amour, tu vas être requinqué, c'est moi qui te le dis. J'espère. Avec ce thermomètre de merde qui marche même pas. Ouais, non, ce thermomètre est pourri quoi. Mais parce qu'il faut pas acheter ça, faut prendre des thermomètres normaux, ceux qui se mettent dans les fesses. Bon ça y est, c'est l'heure de manger. À la caméra ça a l'air hyper bizarre, mais c'est des raviolis avec du pesto. Ce midi j'ai fait rapide puisqu'en plus Samuel il mange pas. Donc je suis seule à manger. J'ai fini le montage du vlog d'hier. Voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Le petit cœur, je vous retrouve, il est 15h19. Je suis en train de manger une clem-clem pour changer. Je sors de la douche. Vous allez vous dire, la fille, elle prend une douche à 15h. Oui, en fait, j'ai eu des contractions. Et quand j'ai vu ma sage-femme là hier, du coup, elle m'a dit quand vous avez des contractions comme ça de faux travail, hein, puisque c'est pas le travail qui a commencé, n'hésitez pas à vous prélasser sous une douche, etc. ou avoir une petite bouillotte. Donc voilà, je l'écoute et c'est vrai que ça a calmé. Donc je me remets au boulot. Là, j'ai programmé donc toutes les vidéos que j'avais pré-filmées. En fait, ça y est, elles sont montées et programmées. Il me reste une miniature à faire, je crois, et puis après voilà, j'ai replanifié donc toutes les autres vidéos, savoir quand est-ce que j'allais pouvoir les tourner. Il y en a malheureusement, ben c'est vrai que je peux pas les tourner tout de suite, ou je peux pas les tourner toute seule parce que c'est trop compliqué maintenant de faire un tournage vraiment toute seule de A à Z. Donc bon, j'essaie de trouver des idées de vidéos un peu plus simples et en même temps j'ai envie de vous montrer des trucs originaux, mais c'est vrai que voilà, clairement je suis un peu limitée. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez des envies de vidéos particulières. Franchement ça m'aiderait beaucoup parce que c'est vrai que j'ai envie de faire plein de trucs, mais qu'il faut que je reste réalisable vu voilà les mois et les semaines qui vont arriver. C'est l'heure du goûter. Petit rooibos de vainée, la clem clem. Cette confiture que j'ai goûtée, du coup, je vais vous donner mon petit avis. Elle est vraiment super bonne. Beaucoup moins sucrée et beaucoup plus forte en fruits. Du coup, elle est un peu plus chère que les autres. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Et de la brioche, toujours faite par la maman de Sam Sam. Bon appétit. On a actuellement un bébé qui fait la folie. Il a le hoquet comme jamais. Je sais pas si vous voyez. Mon cœur, est-ce que tu peux ouvrir le colis showroom privé? Fais-nous un unboxing. Alors, unboxing by Sam Sam, qu'est-ce que c'est? Une poubelle à couches. Voilà, moi quand je fais d'unboxing, c'est des trucs nuls. Mais c'est pas des trucs nuls, hein. Tu vas bien être content d'avoir une poubelle pour mettre les couches de bébé. On va voir si ça marche bien. On l'a eu sur showroom privé et je crois qu'elle était genre à 11€ alors qu'elle en coûte 40 de base, qui est abusé pour une poubelle quand même. Surtout de cette petite taille là. Alors, est-ce que ça a l'air compliqué? Est-ce qu'il faut avoir fait bac plus 12? Donc là, en fait, je... Ah, oh mon amour, je suis désolée. Tu m'as passé le doigt. Je suis désolée. Donc là, hop, tout ça. Tu mets ta couche. Et ensuite, tu tournes. Ensuite, mais tu vas pas, on va pas gâcher un truc ou alors jette quelque chose. Ça va, ouais. On met des mouchoirs, plein de mucus de moi. C'est glamour. Faut bien les mettre au fond en fait. Et là, ça a marché? Ouais, regarde. Plus de mouchoirs. Plus de mouchoirs. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça avec toi pour que tu disparaisses? Oh bah super, dans une poubelle à couches, je rentre pas. Hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas mal. On mettra ça dans la salle de bain. Dans le deuxième colis, Sam Sam, notre unboxer du jour. Des chaussettes en 39-41. Parce que j'ai pas de chaussettes normales, moi, pour la maternité. Donc j'ai pris des chaussettes comme ça. Dans ce colis, il y a surtout des trucs pour la maternité. Donc j'ai commandé sur Kiabi des soutiens-gorge d'allaitement. Je vais voir s'ils sont bien. J'ai pris aussi un pyjama. Oh, pit pit. Trop mimes. Il est trop chaud. C'est un pyjama qui souffle devant, en fait. Parce que je voulais un pyjama où je pouvais allaiter. Ça, c'est un petit legging. Parce qu'il coûtait 9€ et c'est un legging de grossesse, mais voilà, je pense qu'après l'accouchement on a toujours un petit bidou à soutenir. Ça c'est un haut d'allaitement. Il est joli, hein, celui-là. Ouais. Il est bordeaux et en fait sur les épaules il est un petit peu crocheté et il s'ouvre là. Voilà, des culottes, c'est pas beau. Et une chemise de nuit où normalement tu peux allaiter.
par là, il doit y avoir un trou quelque part, ici, voilà. C'est difficile de trouver des trucs d'allaitement pas trop moches. Ça c'est donc pour l'allaitement toujours, mais c'est une brassière de nuit pour être confortable. Par contre je vois pas comment tu peux allaiter, ah si pardon, je n'avais pas vu le petit truc là. Bah c'était la commande qui habille. Merci à Samsam, notre unboxer du jour. De rien. T'es dégoûté parce qu'il n'y avait pas de colis pour toi? Bah qu'est-ce que j'attends moi? La casserole? Oui mon cœur. Avec le fouet? Non, on a annulé le fouet. Le fouet on l'a déjà. J'attends ma casserole avec grande impatience. Mais la casserole, ils ont dit qu'ils la livrent aujourd'hui normalement. Ça se trouve dans la boîte aux lettres. Bon mes petits cœurs, changement de programme. En fait on a reçu un petit message de Juju qui voulait nous inviter à manger. Surtout qu'elle part vendredi puisqu'on passe pas Noël ensemble cette année, c'est triste. Et du coup voilà, elle voulait nous donner nos cadeaux et tout, trop chou. Et du coup on a motivé le petit Samsam grippeux. Oh ouais, n'en rajoute pas, non mais le comédien. Et du coup L'acteur dans le milieu. Ouais, c'est ça, l'acteur. Et du coup, on va chez elle, voilà, manger un petit bout. Donc, ben, c'est parti, en avant Guingamp, comme on dit. On est arrivé chez Juju. Regardez le petit apéro, le petit sapin. Dodo des Carpates. Et regardez-moi ça, mais on est pourri gâtés. Mais moi, chérie, je n'aime pas ouvrir les cadeaux de Noël avant Noël. Le manger est arrivé et je vois des rouleaux de printemps. Et ça, c'est la vie, les petits amis. Samsam, tu t'es quand même commandé un iced tea, en fait. On n'a jamais assez d'iced tea. Non, mais j'hallucine. Regardez ce dodo. Inception vlog. Mais oui, mais bébé, il bouge. C'est l'heure de la tisane du pisse mémé. Oui. Non, elle a l'air trop bonne, celle-là. En plus, la théière est très, très chou. Regardez comme ça. J'ai voulu faire une blague et voler ton vlog et je me suis pris en photo mais j'ai fait une gueule. Ah ça je vais la... Oh non, je la crois. Oh merde, putain, c'était un fail de moi-même. Mes petits cœurs, nous voilà rentrés. Il est 23h et quelques. Je viens juste de me mettre en pyjama et j'ai mis une couche énorme de bonnes lèvres sur mes lèvres parce que je sais pas ce que j'ai super mal. Il faut que j'aille me démaquiller et puis on va pas tarder à aller se coucher. C'était super sympa de passer ce petit moment avec Juliette. Comme je vous disais, on va pas se voir à Noël, du coup, ben c'est vrai que ça va faire bizarre de passer les fêtes loin l'une de l'autre. Mais bon, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter pas trop loin, donc on se voit quand même le reste du temps. Là, Samuel est parti mettre un mot sur une voiture qui était super mal garée, genre qui a failli, en fait on a failli pas pouvoir rentrer chez nous. C'est toujours comme ça le soir quand on rentre chez nous, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, c'est les joies de petit quartier. Et du coup Samuel en a profité pour aller à la boîte aux lettres chercher un colis. Et quel est ce colis, mon amour? C'est une casserole. Une casserole. La casserole qui avait subi le fouet et la béchamel. Qui avait subi la béchamel. C'est ça. Du coup, je vais finir le vlog ici puisqu'on va aller se coucher. J'espère qu'il vous aura plu. Demain, on a pas mal de petites choses de prévues. On a rendez-vous le matin. Enfin bref, quelques petits trucs. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Puisque, ben, mine de rien, la fin des vlogmas approche. Hein. Là, celui que vous êtes en train de regarder, c'est le numéro 21. Et il y en a 25. Donc, on approche de la fin. C'est passé trop vite. C'est un truc de fou. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.